Fait un peu chaud sur la tôle. Salut les bâtisseurs. Donc il y a du soleil, ça fait plaisir. Dernière vidéo de la toiture normalement. Là ce sera couverture de la face arrière de la maison. Avec une petite particularité, c'est qu'il y aura des Velux. Donc faut complètement recouper la charpente pour les placer. Une autre particularité aussi, c'est que j'ai pas du tout placé le premier litho où il fallait. Donc va falloir recouper deux rangs d'ardoises. Donc j'ai commencé à mettre mes deux traits horizontaux. Et deux ou trois traits verticaux. Pour faire d'abord mes rives. Alors normalement les doublis tiennent pile poil sur toute la longueur. Mais au cas où peut-être qu'il faudra recouper la largeur d'un ou deux centimètres. Vers la fin, par ici. On verra ça. J'ai manutentionné toutes mes ardoises par ici. Et là aussi. D'ailleurs ça a fait un désastre parce que j'ai emmené ça au tracteur. Si j'avais su, j'aurais tout mis par ici dès le début. Hein. On est en juin, environ le 10e mois de toiture. Bon, j'ai fait d'autres choses et puis la météo était pas très bonne cette année. Bon, ma poudre à tracer, elle se voit pas tout à fait à la caméra. Je pose ma pige à ourne 5-6 cm après le chevron. Là, c'est plus 6 cm. Et là, j'ai tracé les trois premiers. Après, c'est pas la peine de tous les tracer. Il suffit de tracer toutes les ournes, ces deux-là. Et se redéplacer. Et de refaire ces deux-là. En haut, ça correspond. Et aussi avec l'autre côté. J'ai deux doublis vissés. J'ai mis des crochets clous là en bas sur la ligne du bas. Et il y aura aussi des crochets clous sur la ligne du haut. Le suivant, il se trouve là. Je vais commencer par mettre mon demi raccourci de 4 cm vu que j'ai mis mon litho au mauvais endroit. En bas, c'est pas pan coupé, il n'y a rien qui est coupé. À côté, il y aura une ardoise entière qui a aussi été rétrécie de 4 cm. Et au-dessus, il y aura aussi une de rétrécie de 4 cm, mais il faut que je la coupe et il faut que je la visse. Donc on va faire ça et ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, bien se passer. Là, je suis bien aligné. 5-6 cm décalage par rapport à la rive. 6 cm aussi qui va à l'égout. Bon, par contre, à cause de mon erreur, ça va me faire un rang un peu bizarre. Alors les vis, l'avantage c'est qu'on peut les ajuster vraiment très bien et y aller très doucement, plus simple que des clous. C'est des 3,5 par 35.
généralement pour visser les plaques de plâtre. Donc elles sont noires et elles percent bien. Les doublis par en dessous, le premier rang recoupé de 4 cm, le deuxième rang aussi recoupé de 4 cm. Un peu bizarre, mais bon, ça change rien. Ça va faire son office. Ensuite, on a un peu beaucoup de jeux de tête, mais ça le fait quand même. Parce que j'avais fait le bureau un peu trop grand. Là, faudra que je fasse attention à faire les trous assez hauts pour que ça rentre bien. Et donc évidemment demain il pleut. Donc suite de la toiture, je sais pas quand.
C'est assez difficile de commencer une rive, mais après ça va tout seul. Je vais mettre mes petits gants parce que les ardoises ça brûle. Ça doit être parce que je fais partie d'une génération de fragiles. Voilà, rive finie. Bon, la caméra s'est coupée d'elle-même, hein, elle avait trop chaud. Ces appareils-là, ça n'aime ni l'humidité, ni la chaleur. Salut les bâtisseurs, on a fait un peu de boulot avec mon collègue couvreur. Deux Velux de posée. Et les contours de posée aussi. Donc maintenant là, il faudra que je pose les chatières en haut et remplir d'ardoise. Pour les Velux, ils fournissent tous les contours en aluminium. Donc c'est un assemblage un peu comme un meuble Ikea. Ils fournissent les visseries aussi, même si c'est pas de la meilleure des qualités. Attention! Et puis dessus, c'est monté un peu comme une rive. Une demi et une entière. À partir de celle-ci, ça fait le contour. Et là, ça tombe jamais de la même façon. Donc ici, c'est des doublis. Et après, c'est des entières. Donc franchement, en couverture, les Velux, c'est pas ce qu'il y a de pire du monde. Par contre, effectivement, faut couper la charpente à l'intérieur. À l'origine, j'aurais bien voulu mettre des fenêtres de toit qui dépassent, mais de toute manière, j'avais pas les capacités. Je voulais pas du tout de Velux. Mais bon, c'est vrai qu'il faut quand même un peu de lumière dans les pièces à vivre. Alors en fait, ça ne suit pas complètement les chevrons. Ça suit plutôt le niveau de la planète. Donc là, il y a un petit peu de triche. C'est un peu écorné sur les côtés pour suivre le Velux. Pareil depuis l'intérieur, c'est pas coupé en fonction des chevrons, mais coupé en fonction du niveau de la planète. Évidemment en contre-jour, voilà. Donc il y a le chevron du milieu qui a été coupé et reposé au-dessus. Il faut prévoir un morceau aussi d'un mètre vingt au moins pour le côté, et aussi en mettre un morceau en dessous. Et voilà, le chevêtre est frais. Pareil, en couverture au-dessus, il faut couper tous les litos, la contrelate du milieu. Il faut remettre des contrelates sur les côtés, en dessous, au-dessus, et reglisser l'écran sous toiture par-dessus. Par contre, maintenant, c'est en plein air,
Donc il va falloir isoler ça aussi. Et là, c'est vissé sur des bouts de litho. Thank you.
Allez, fin de journée. Les quatre chatières posées. Le faîtage presque posé. L'égout posé. Donc il manquera plus que le troisième Velux et les bandes de faîtage en zinc. Il faudra poser les bandes à cheval sur le faîtage. Salut bâtisseur. Début septembre, la reprise. Demain normalement c'est fini. Alors j'ai tracé les traits là qui s'effacent évidemment quand il pleut. Troisième Velux, entourage d'ardoise tout autour et bien sûr le faîtage. Et rebouché. L'échafaudage est resté tout l'été au soleil. Il y a des madriers qui ont séché, donc maintenant ça bouge un peu à certains endroits. Mais il suffirait de recaler des planches pour éviter que ça bouge. Donc très satisfait de mon échafaudage en bois, c'est bien durable. Et par contre les madriers seront de moins en moins droits et de plus en plus fissurés. Et aussi tout a été débroussaillé. Les amours en cage ont repoussé là-bas, les espèces de fruits oranges. Un framboisier de sauvé. Là, faudra faire quelque chose là-dedans parce que c'est pas possible comme ça. Et encore pas mal d'ardoises. La source va peut-être pas s'arrêter cette année. Tournesols qui font presque 3 mètres de haut. C'est marrant ici dans la jungle. Troisième Velux de posée et le faîtage aussi. Un hexagonal de 8, une vis de 65 mm, mais avec un petit embout autoforant à la fin pour le bois. Les gros embouts, c'est pour la ferraille. Et il y a une petite rondelle avec joint incorporé. Donc c'est gris anthracite, par contre c'est pas inox comme la tête de vis. Mais bon, c'est pas grave. On voit franchement pas la différence. Donc esthétiquement, il n'y a pas de souci. Alors par contre maintenant ça tient tellement bien qu'on peut plus rien bouger. Je vais devoir les redévisser pour glisser la dernière ardoise dessous là parce que sinon ça veut pas. Et alors les vents dominants venant du sud, ça glisse le long et ça s'engouffre pas par dessous. Bon après il y aurait pu avoir des vents dominants dans tous les sens, ça bouge pas. À l'époque, ils mettaient juste des vieux clous. Il n'y avait pas de souci. Bon, il y a des petits défauts, du genre la petite vaguelette, là. Alors, j'aurais pu acheter du zinc de couleur anthracite, gris. Mais il paraît que dans le temps, ça devient blanc. Alors, c'est pas la peine, vu que ça coûte plus cher. Là, ça a été plié avec amour par mon couvreur favori.
Donc une pliure au milieu et un petit rebord en bas. Et c'est lui qui l'a posé, qui s'est mis à cheval. Alors, chat Zincri. Par contre, tu tombes pas maintenant hein, parce qu'il n'y aura plus de litho. Ah, je vous jure, ce chat Zincri. Descendu, on va pouvoir se remettre à bosser, finir les dernières ardoises. Donc dernière ligne droite. Et la dernière des dernières, last one. Et voilà, ça c'est rock'n'roll. Et ben voilà. Tout a commencé ici et tout a fini ici. Un an à peu près. L'échafaudage y tient toujours bon, malgré que les madrillons un peu séchés. Donc ça bouge un peu, mais on pourrait les recaler évidemment. ...4000 ardoises. Une quarantaine de chevrons. Et des quantités phénoménales de litho et de contrôlate. Alors faudra raccorder les descentes de gouttière un jour, mais ça presse pas ça. Et il y a aussi l'intérieur de la charpente à rebadigeonner de huile de lin et d'essence de térébenthine, ainsi que faire l'entrée sur la fermette. Ça ce sera pour une prochaine vidéo, mais sinon l'extérieur, couverture, tout fini. Et ça, il n'y a rien de plus rock'n'roll.